السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إليكم تصحيح شهادة التعليم المتوسط الفرنسية ديوان 2021 السنة الرابعة متوسط. إذن الأجوبة مباشرة، la compréhension de l'écrit en léger comme CM بكل بساطة. On va choisir la bonne réponse. إذن في السؤال الأول عندنا la réponse هي par le titre. Le titre est la découverte de l'Algérie. Il y a la découverte de l'Algérie. Deuxième question, quelle est le cas de la réponse confisquée plusieurs régions d'Algérie. Troisième réponse, la thèse défendue par l'auteur est, j'ai pas l'ancien texte, et l'Algérie est belle. Est l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. Quatrième réponse, donc pas vrai ou faux. Donc, la phrase tal A est vraie, la phrase de deuxième phrase B faux, la phrase tal C vraie ou la phrase tal D vraie aïda. Donc, pour cinquième réponse, j'ai de l'adjectif qualificatif mais le texte est un sublime. Ok, sublime, le texte est tout magnifique, magnifique par contre. Ok, donc sixièmement, on a un tableau, puis patrimoine historique, puis patrimoine naturel. On a les phrases, puis un tableau. Donc, on a patrimoine historique, il y a les tombeaux berbères, on a les ruines romaines. On a le patrimoine naturel, il y a une tabaïa. La côte algérienne, Wakadalik, immensité désertique, yani concernant la nature. Septièmement, on a relié les phrases Ilyanil et Lalyasa, Wataronana, l'auxiliaire être conjugué avec la troisième personne du singulier, la troisième personne du pluriel. Donc, on a Alger, Bijaya, Oran, hier, la troisième personne. Du pluriel. Il y en a plusieurs noms. Alors, Gardaïa et Tamarast, c'est des noms singuliers. Donc, Fizou 0 pour le ST. Donc, la phrase de Ougaïa, Alge, Bijaya, Orange, 100. Donc, il y en a un aller le pluriel, le Gaudi. Donc, 100 des villes côtières. Attendez, qu'il y en a là, qu'il y en a là, deux singuliers. Donc, on crée le deux fois Gardaïa. Gardaïa et la porte. Du désert, les fins Tamaracet et la capitale du Touareg, ok? Huitièmement, le rapport logique exprimé dans la phrase, j'attends un exemple, huitièmement, il y a la cause. Quand on remplace la cause, elle dit l'expression parce que avec car de la même phrase, ok? Neuvièmement, le verbe souligné dans la phrase de la taurina, il est conjugué au futur. La taurina, on chantera. À la troisième, il est conjugué à la troisième personne du pluriel, il avec s. Donc, conjugué au futur simple avec la troisième personne au pluriel. Ok? C'est un petit peu. Au futur simple, c'est au futur simple. Mais je me rappelle des deux. D'accord? Pour maintenant, on change la phrase au présent de l'indicatif. Donc, maintenant, on chantera avec la troisième personne du pluriel. Donc, au présent, lui, on chante ENT. C'est-à-dire, il avec S, on chante ENT. OK? Dixièmement, dès que je choisis un titre, on peut dire l'Algérie. Donc, on peut dire tout pour l'Algérie, le tourisme en Algérie, le patrimoine algérien, etc. La production écrite, donc, lance pour le patrimoine algérien. Voici une production écrite, j'espère que je prends. L'Algérie est l'un des plus beaux pays du monde riche en patrimoine, qui varie d'une région à une autre. D'abord, c'est un magnifique pays.
qui attire les touristes par les beaux paysages du Sahara et de sa culture, surtout du patrimoine du Touareg. Ensuite, on trouve l'artisanat algérien, précisément les bijoux en argent, bien portés par les femmes, portés par les femmes de la Kabylie, bien de la Grande Kabylie. Enfin, les plats traditionnels comme le couscous et aussi les tenues ancestrales qui restent un patrimoine précieux, précieux de la culture et de l'histoire algérienne. En conclusion, donc, en conclusion, Nictbo, la conclusion est dit, les touristes sont attirés beaucoup, beaucoup plus par la culture, l'architecture, l'histoire et l'artisanat de l'Algérie. Ou bien, une autre conclusion, Nictbo est dit, l'Algérie riche et célèbre grâce à son patrimoine architectural et sa culture. Ok, maintenant la correction du français, quatrième année, Talbuyem, Shahadat Atalim Mutawassat. J'espère que l'amid, Sana Rava, Inch'Allah, Attawfiq, Najah, Fidelasatukum, Ilal Multaqa, Akulu Lakum Salam.